Reaper continue. Il est temps d'aller rendre visite à Juno. Hey, salut. Écoutez, est-ce que vous pourriez m'aider avec un problème? C'est en bas, dans la cave, et c'est gros. Oh, Milo, c'est vrai qu'il bosse ici, Milo, maintenant. Ah, pas besoin, je l'ai déjà fait. Enfin, je vais m'en occuper, vraiment. Vous me payez pour protéger vos marchandises, alors c'est mon boulot de toute façon, je peux m'occuper d'un... Non, c'est beaucoup trop dangereux, Milo. Je veux dire, je ne veux pas perdre mon meilleur client non plus, c'est juste que... Bah, vous allez bientôt être papa. Qu'est-ce que Zorka dirait si elle venait à découvrir que j'ai laissé un monstre vous manger? Un démon. Oui, et pas un simple démon que vous... sur lequel vous pouvez tirer. Celui-là est gigantesque. Franchement... Je n'ai aucune idée de comment il a réussi à entrer là-dedans. Aller dans le... dans la cave. Vermicidus. Sucerus. Meresaurus. Edamus. Odnes. Meur démon. Alors, il est tout seul du coup? En un contre un? J'ai encore un... Oh, mais en... Ah oui, moi je pensais que c'était un brassard. Mais en fait non, c'est pour ma... C'est pour mon corps que j'ai eu le... Ah, je peux pas le montrer ici. Le Dark Reaper dans la fin de l'épisode précédent. Mon corps que je... Et on le voit sur le personnage. Oh, c'est trop cool. Plaisir de voir la... Parce que la capuche, je suis pas sûr qu'on le voit. On voit pas la différence de couleur pour la capuche. C'est rigolo qu'on puisse voir la custo sur le corps. Je m'en étais jamais rendu compte. Ou alors c'est vraiment juste pour ceux qui ont des étoiles. Des armes. Je sais pas. Soit ça, soit c'est juste pour les ultimes. Oh, j'ai pris cher là par contre. Ok, donc lui c'est le grand gars. Ok. Bon, paye ta cave en tout cas. Machin, c'est une grotte gigantesque. Ouf. Il fait mal hein. C'est un boss. Hein. Okay. Je vais faire lui. PV déjà, c'est chaud. Mmh, 10 de dégâts. Hors boule, ça fait mal aussi. Plus de 18 PV, quoi, ça a raison. Je les emmène au... là où il n'y a pas de flamme. Hein. Sympa, je récupère un peu de vie. Quel enfer, il arrête immédiatement d'attaquer. Vite. Chaud du steak, hein. Parce que le mec, il arrête de s'attaquer, enfin il arrête d'attaquer tout court, dès que je suis plus là, pour se retourner tout de suite. C'est très fort. Voilà, approche par là. Thank you.
plus que 23. Allez, je me fais toucher un peu, c'est fini. Le mec s'arrête jamais par contre. Il vaut mieux que je fasse comme ça. La technique avec les dash. Oh vache. Cool. Je reprends de la vie. Tant que faire se peut. Visiblement, j'arrive pas parce que j'arrête pas de rebondir. Ok. Oh, j'ai tout pris. J'ai tout pris. Ok. Un PV par ici. Un PV par là, ensuite. Il est où ? C'est cool. Celle-là et celle-là, merveilleux. Allez, viens par là. Viens, mon petit. Cool. Je suis à 80%. Ok. Ensuite. Oh yes! Pouh, c'était tendu! Pouh! Ah, je ne sais pas ce que j'aurais fait si vous n'étiez pas ressorti de là en vie. J'aurais probablement balancé des explosifs là en bas et fui. Quelqu'un devrait faire quelque chose à propos de ces choses-là, hein, sérieusement. Merci pour votre aide. Alors, la tribu Zavas. On n'a plus qu'une quête après l'autre, on est un peu sur les résolutions de ce qu'on a fait avant, hein. J'ai l'impression. Aïe. Okay. Oula. Bon. C'est bon. Wow, wow, je passe comme ça et comme ça. Okay. Aïe. J'ai pris des dégâts là. Ok. On en bas, il y en a un 12e, tout va bien.
super missile, je prends. J'ai pris cher, hein. Je suis pas sûr d'approuver, hein. Ok, tac. Aïe. J'ai pris le missile directement. Quel enfer. Oh non, j'ai la vieille balle qui me touche. Ok. Je prends quelques PV avec les pièces. Enflure. Mais par contre, le canonnier de mort là, il est fort. C'est bien chaud là. Aïe, t'as en plus de vie. Oh non, il y avait un mec avec de la thune derrière. J'ai pu utiliser pour me soigner. Pouh, ça devient compliqué. Je commence à demander un petit peu plus d'expertise. C'est un système de jeu plutôt simple, ma foi. Il faut se battre contre ce qui pourrait paraître quelques injustices. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a des outils que je peux utiliser en termes de navigation et autres pour pallier à mes faiblesses au combat. Donc ouais, ça, pour le moment ça m'apparaît assez cool. Il y a des points avec lesquels je suis pas forcément d'accord en termes de design pur, mais parce que je trouve ça assez anti-intuitif. Mais là, le fait qu'on me... On me demande un peu plus de maîtrise. Je suis pas contre. Je ne suis pas contre. Okay. Aïe. Ok, ça c'est bon. Il faut que je m'occupe de lui là, c'est pas possible. Deux coups, arrêtez d'appuyer sur le bouton pour rien. Hop. Pas mécontent d'avoir pensé à faire une fuite au lieu d'un dash vers l'adversité, comme je fais d'habitude. Ok, ça c'est cool. En plus, ça me donne du soin. Excellent. Ok. Ok. Ok, c'est pas mal là. Je prends des dégâts, faut que je fasse attention, mais. Je suis dans une situation qui est quand même bien plus sympathique que la situation que j'avais avant. Par contre, le fait d'avoir pris plein de bombes là. Pas mal de coups de lance aussi. Je sais pas trop quoi en penser. Ah, le petit soin ici, c'est cool. Ouais, c'est un problème par contre. Non. Ok. Yes. Même avec le soin, j'ai quasiment plus de vie là. Ok. Et ça c'est bon. Voilà, un coup de lance, c'est fini. Ils sont nombreux. Ok, ils sont nombreux.
étourdi un, j'arrive à me prendre le... Ok, à moi. Non! Non! Oh, quel dommage. Tout se passe si bien, jusqu'à ce que ça se passe mal. Voilà, je vais dedans. Je suis désemparé. Oh, j'ai tout pris là. Je crois que tu veux tout prendre, j'en peux plus. Ils font du bon boulot les lanciers là. Impressionnant. Je vous le dis. J'ai l'impression que c'est des... Le fait que ce soit la même couleur entre les balles et les pièces d'or aussi... ça me met dedans. Hein. J'ai pris beaucoup trop cher hein, pour la première vague là. Désastreux. Ok. Oh non, heureusement les dégâts ont été bloqués, mais... Terrible, hein. Oh, j'en peux plus, non. Je fais n'importe quoi. Voilà, je mérite de devoir réessayer, hein, pour le coup. Du coup, c'était nimp. C'était nimp, hein. J'ai pas été bon, là. Derrière, c'est cool. Ok, ça c'est excellentissime. Bon, faut pas que je prenne toutes les bombes d'un coup, hein, comme j'ai fait avant. Non, mais... un double saut, s'il te plaît. Mettons-nous d'accord. C'est terrible. Même scénario qu'avant. Ok, je passe en train. Celui-là, bonjour. J'essaie de prendre une respiration là parce que. Ok. Tac, tac, tac. Merveilleux. Je crois que j'ai évité le missile, mais je suis pas sûr. Il a explosé juste à côté de moi. Ok, cool. C'est du bon soin, ça fait plaisir. Ok, c'est pas mal. Double saut parce qu'il balance les bombes. Ok. C'est bon. Bien.
Cool. Du bon soin. Voilà. Ensuite. Ok. Tac tac. Je vais chercher lui là. Oh, le bon crit. Excellent. Tac, tac, le soin, le soin, le soin. Ça, c'est bon. Ensuite. Ok, cool. J'ai pris quelques coups, mais globalement, ça s'est bien passé. L'artillerie là-bas n'est pas encore au courant. De ce vaisseau là tranquillement. Aïe. On est dans l'hélice de préférence. Ça va toujours mieux de prendre l'hélice que les bombes, hein, mais bon. Ok. Ok. Ensuite. Bombardier ici. Retourne quand tu veux, mon gars. Cool. Le bon crit, ça fait plaisir. Ok. Excellent. Oh, j'ai galéré. Mais c'est fait. C'était cool. Oh, une petite montée de niveau, ça fait plaisir aussi. 12% de chance de bloquer. Stomp fait plus de dégâts. Plus de chances de faire des coups critiques. Oh, le crit. Nos chasseurs ne sont jamais revenus de la grande chasse. Je suis peut-être au courant. Les démons ont fait un raid sur nos champs. Les impériaux refusent de payer pour nos produits. Pour notre production. Ils récompensent notre alliance avec de l'extorsion. Nous sommes assez peu ce que nous pouvons qualifier d'une tribu désormais. Il n'y a plus qu'une seule option qui nous reste. Qu'est-ce que c'est? Nous avons besoin de reprendre de reprendre parmi nous les exilés. Je sais, ce sont des criminels, des extrémistes, des radicaux. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Les Pakora ne nous parlent plus, les autres tribus nous méprisent. Sans avoir un quelconque moyen d'autodéfense, nous serions réduits à être des esclaves. Est-ce que vous accepteriez de parler aux exilés? Nous oublierons absolument tout, nous oublierons le passé. Avec leur aide, nous essaierons de notre mieux de reconstruire la grande tribu Zavas que nous étions autrefois. J'irai leur parler. Terrible, l'escalade de la guerre, c'est vraiment très glauque au niveau des situations, des propos et de l'évolution. C'est fou. Arrêtez-vous immédiatement. Je vous connais. Oui, vous êtes l'étranger, l'outlander. Celui qui tue sans le moindre honneur. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Parlez. Les Avas veulent que vous rejoigniez leur tribu. Heureusement, ce sont eux qui nous ont bannis. Ils ont tenu des festins pour les impériaux pendant que nous étions en train de mourir dans la boue. Nous avons répandu notre sang sur les terres sauvages et ils nous ont trahis. Enfin, pour les terres sauvages, ils nous ont trahis. C'est à leur tour de payer. Allons faire un raid contre eux. La vengeance sur des faibles n'est rien d'autre qu'une bonne solution pour les Quarres. Nous ne sommes pas des Quarres. La question est, qui êtes-vous? Bon sang, vous avez peut-être raison si nous aidons les Avas. Dans leur heure de grand besoin, hein, au moment où ils en ont le plus besoin, alors ils se mettront à genoux devant nous et nous supplieront pour notre pardon. Je vais prendre la direction des choses et nous restaurerons la gloire de la tribu Zavas une fois encore. Ils vous ont écouté. Je suis sûr qu'embrasser les exilés après 5 ans d'hostilité ne sera pas facile. Mais au moins, il y a une lueur d'espoir pour la tribu Zavas. Merci, épéiste. Vous ne nous avez pas tourné le dos et nous ne l'oublierons jamais.
Ah non, je vous ai pas tourné le dos, mais bon, j'ai beaucoup participé à votre ruine. Alors, le camp impérial ensuite. La... saleté de traître connivant. J'ai complètement sous-estimé la capacité des gueux à manigancer. Non seulement les Avas ont invité des radicaux au sein de leur terre, mais ils sont sur le point de leur donner la direction de la tribu. Si nous laissons faire cela, nous serons en guerre avec tous les sauvages en même temps. Il est temps de sauver ces imbéciles de Zavas d'eux-mêmes. Je ne vois comme seule solution possible qu'une conquête hostile et agressive. J'ai besoin que vous alliez infiltrer les Zavas et que vous purgiez cette tribu des radicaux. Et par cela, je veux dire n'importe quelle personne résistant. Tribu des Avas, champ de citrouille. Je vais au champ de citrouille d'abord. Oh. les lutins slash elfes là, les petits magiciens à chapeau pointu, ils ont des voix, ils sont sous coke quoi. Oh. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh. Le monde serait plus simple si tout le monde était comme ça. Hein. Oh. Bah, peut-être pas de téléphone portable, mais ça semble plus simple. Ok. Aïe, j'ai pris la grosse boule. Ok, ça c'est bon. Ça c'est un petit affrontement, on est déjà à la moitié, quasiment. Je prends tout là. J'ai pris tous les pics. Quel enfer. Ça, c'est bon. Ça fait mal, mais c'est bon. Ça fait mal, mais qu'est-ce que c'est bon. Okay. Excellent. Bon coup critique là. Toujours des merveilles. Bonjour, y a-t-il de la résistance par ici? Il y a plein de gens de plein de tribus différentes, là, c'est incroyable. Hein. C'est devenu un vrai lieu de rassemblement ce champ de citrouille. Hein. Aïe! Il m'a poussé à le bout de la terre là. Je prends cher très vite, hein. Vache. Ok, on a pris le temps, mais c'est fait. Quelques PV en plus, ça fait toujours plaisir. Complètement stoppé dans mon élan, lui. Trop dur. Ça, c'est bon. Lui j'ai pris, mais ça va. J'ai pas pris le deuxième. Ok, ensuite. Ok. Tac tac tac. Attention aux citrouilles. Ce piège mortel hein, que sont les citrouilles. Quel enfer.
Wow. Ok, lui c'est bon. Regardez le mage qui fait exactement pareil que moi, quoi, c'est abusé. Ok, ça c'est très très bon pour moi. Non, s'il y a popé derrière moi, en fait. Ok, ça c'est fait. Très bien. Un petit peu moins de pression. Ok, cool. Les bonnes pièces. Ok, tac, tac, tac. Excellent. Ok. Très très bon. Ok, cool. C'est qui? C'est encore quelqu'un. Montrez-vous immédiatement. Ah, bonjour. Vous êtes le quelqu'un. Ah. Toutouk. Ensuite. C'est pas terrible. Viens alors, voilà. Ok. Cool. C'est pas mal. Il se passe des choses appréciables. Ça a dû un petit peu de vie, mais... Je récupère pas mal aussi, c'est plutôt cool. Ah, je suis pas sûr que ça a été rentable par contre cette action. Ça c'est cool. Des 100 PV. J'ai fait le plus gros du chemin. Yes, le soin, le soin, le soin. J'ai pris très cher pour pas grand chose. Hein. Je suis pas très content. Même sur la fuite, j'ai tout pris.
Dommage, ça s'est super bien passé sur le regain de vie, et puis maintenant, moi je sais pas trop. Ok, faut que j'arrive à passer derrière pour m'occuper des petits. Ok. Excellent. Oh non, je récupère tout ça. Il me reste plus que le gros gars à faire. Oh, pff, oh et j'ai tout pris. Ok, cool. Fille, ouf! Non, c'était tendu, hein. Oh non, Guzav est en train de mourir. Vous avez tué tout le monde? Pourquoi? Autodéfense, hein. Terrible. J'ai tué toute la tribu. Vous savez atteindre vos objectifs. Bien, bien. Je vais envoyer les troupes désormais. Un petit peu de loi martiale devrait... remettre tout ça en ordre. Je vais rayer les Avas de la liste. Il y a tellement de travail encore à faire. Donnez-moi plus. Plus d'or? Non. Je peux vous donner plus de travail, hein, si vous voulez. Bon. Les Morka et les Torken, ils sont toujours dangereux, mais également pathétiquement prédictibles. Ce qui m'inquiète le plus, hein, c'est que ils ce qui m'inquiète le plus, c'est de risquer de me prendre une attaque surprise par les Oshori. Alors j'ai une idée brillante. Allons donc les battre à leur propre jeu de manière préventive. J'ai demandé aux chimistes impériaux les plus brillants et aux boulangers de préparer des bonbons délicieux mais létaux. Ils ont un sacré goût, ils sont addictifs et ils vont lentement faire fondre les organes internes. Un poison dégoûtant qui va très bien aux gens à qui on va les donner. Livrer plutôt ces bonbons, ce sac de bonbons aux Oshori, s'ils viennent à devenir suspicieux. Alors, venez à dire qu'il s'agit d'un cadeau venant d'un programme d'aide aux étrangers par l'Empire. Allez, livraison. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je puisse faire? J'ai pas l'impression, en fait. Hein. Je suis obligé de faire cette quête, quoi qu'il arrive. Comme vous voulez. Bon, bah, c'est le moment où on va détruire toutes les tribus, alors. Hein. Allons-y. Ah, je ne peux pas cacher mon sourire, n'est-ce pas? Un bonbon, sérieusement, laissez-moi le goûter. Oh là là. Oh, mais c'est un... C'est un poison qui brûle le foie, comme c'est mignon. Mon cher enfant, allez donc envoyer mes plus grands remerciements à notre bon colonel. Hein, s'il vous plaît, offrez-lui cette violette innocente en retour. Dites que c'est un symbole de paix et de compréhension. La tentative d'empoisonnement de l'empoisonneur. Hein. Oh, c'est ce type de poison, comme c'est mignon. Allez donc donner ça, mille fois pire. Ok, ok. Combat entre la peste et le choléra là. Ok, cool. Tout loupé, j'ai utilisé des crânes pour rien, hein. Vache. C'est bon. Allez, j'en tue un, il y en a un autre qui arrive directement. Ouais. Okay.
Attends, je récupère pas mal de vie à chaque fois. Il a volé d'une force. Ok. Oh non, il est plus rapide que moi. Oh, j'ai loupé deux fois. Deux fois, il est. Hop. C'est bon, là, ça se passe très bien. Tac. Attention, parce qu'il peut faire très mal. Voilà. Le faire assurer à coup de bon gros stomp. Ils ont dit merci. Bon, et bah, si c'était d'humeur, hein. Bien sûr, ces sauvages adorent les bonbons. Bon, nous formons une bonne équipe, agent. Il semblerait que je puisse gratter le... rayer les oshoris de ma liste également. Qu'est-ce que c'est, une fleur? Elle sent plutôt bon. Le colonel Théo explose. Non, c'est terrible. Bon, et bah, c'était le colonel Théo. Ouais, c'est magnifique pour terminer cet épisode. Je vais aller voir les boutiques. Bon, le Dark Reaper, à mon avis, je vais le garder très longtemps, hein, si ce n'est pendant tout le jeu. Un petit peu plus de dégâts. Ah non, un peu moins de dégâts au final. Je vais perdre 9 points. 9 points de dégâts. Par contre, mes chances de crit augmentent de plus de 2%. Et mes dégâts de crit augmentent énormément aussi. Ok. Ici... Ici, c'est un peu le même délire, mais je perds encore plus de dégâts. Ok, ok. Tac. Voilà. C'est là-dessus. Ensuite, ça, non merci. Ça, non merci. Et fortune plus 1, j'imagine que je gagne plus de thunes avec les petites pièces. Je vais donner 5, ça donne 6 peut-être, un truc du genre. Ensuite, capuche. Non merci. Non merci aussi. Ça c'est plutôt un collier. Moins de chance de crit, mais plus de dégâts parce que plus 12 au final. Il y a 2 points de dégâts. Ouf, aux FTR. Un petit peu aux FTR. Ah oui, ça c'est un collier aussi. Ok, d'accord. Et ça c'est une bague aussi. Ouais, non, ça baisse beaucoup quand même. Et ensuite, j'ai lui. Ah, mais l'armor fitting fait tout en fait. Ok, d'accord. Bah, tant pis. Bien, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve pour la suite dès que possible.